Salut, bienvenue sur Benzcraft. Salut. Cette semaine, je vais tenir une promesse qui date de la vidéo sur Piranha Plant. Ah, enfin ! Non, parce que depuis le temps qu'on a fait le pari... Attends. Laisse-moi expliquer. Tout le monde n'est pas resté jusqu'à la fin de la vidéo. Attends, tu veux dire qu'ils m'ont pas vu te coller une branlée sur Smash ? En effet, il y avait une scène post-générique. Un peu à la Marvel. Bouffant ! Et du coup, il avait gagné. Yes ! Pensez à vous abonner à la chaîne, hein, pour ne pas manquer les prochaines déculottées que je vais lui coller. Et du coup, c'est toi qui viens de faire le forçage pour la chaîne. Merci. Petit malin. Donc voilà, aujourd'hui, on va faire un diorama sur le thème de Duck Hunt. Alors je me suis principalement inspiré de l'aspect original 8 bits de la NES. Cependant, le passage en volume oblige à faire des compromis. Mais je ne vous en dis pas plus et vous laisse découvrir tout ça. C'est parti. Thank you.
Sacrée pièce, hein. Pour le coup, entre le Onyx de la dernière fois et celui-là, je me suis vraiment lâché côté taille. Pour rappel, je fais la quasi-totalité de la sculpture et de la peinture en live sur Twitch. Du coup, n'hésitez pas à venir jeter un coup d'œil. Va falloir que je lui fasse une jolie place sur l'étagère. Tadam ! Pour la prochaine sculpture, on va laisser un peu de côté le jeu vidéo et on va aller bagnoder dans l'univers du manga et de l'animé. Putain ! Bagnoder ! Je pensais pas que t'arriverais à le caser celui-là. Merci ! Allez, je vous dis à dans 2 semaines pour la prochaine sculpture. La semaine prochaine, c'est le best-of du live Twitch sur Duck Hunt. A très vite sur Ben's Craft. Craftez bien.